Dans notre époque qui aime beaucoup les commémorations, on a beaucoup parlé en 2015 du bicentenaire de Waterloo, on a parlé aussi de la commémoration de Marignan en 1515, on a peu parlé de la bataille d'Azincourt qui a eu lieu en 1415, épisode très important de la guerre de Cent Ans, qui a vu donc une défaite en règle des Français pourtant plus nombreux face à une armée anglaise, l'armée d'Henri V, parfaitement organisée. Valérie Toureil, une jeune historienne, publie chez Albin Michel le drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite, et elle nous raconte magnifiquement avec toutes les sources de l'époque ce qu'a représenté cette bataille qui a eu lieu sous des trombes d'eau dans le nord de la France. Valérie Toureil, le drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite, est publié aux éditions Albin Michel.